c'est moi. Ça réduit déjà salement les possibilités, pas vrai? Faut faire mieux que ça. Oh, nom de Dieu, Marcus, j'ai pas le temps. Ouvre-moi ou je fous le feu à ta baraque. Eh, ma fille, si tu avais commencé par les gros mots, j'aurais tout de suite su qui tu étais. Marcus. Ça va, ça va. Tu as deux jours d'avant. Deux jours de retard, question de point de vue. Hé, hey, la grâce est tout. Ça s'est bien passé au bureau. Et pour croire que non. Des ennuis? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu m'aides. Et je croyais que tu avais repris tes esprits et décidé enfin de séduire un beau petit black. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une adresse. Rien de plus simple. Il suffit de faire un saut sur le fichier des immatriculations. Tu vas m'expliquer ce qui se passe. Ils ont essayé de me tuer ce matin. C'est le monde de l'entreprise. On cherche à te virer avant que tu te décides à les plaquer. Une chance qu'on soit arrangé entre nous, hein. Tu as un nom à soumettre. Jordan McNamara. Jordan McNamara. Jordan, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, mais je sais pas. C'est le présentateur modèle de cette émission, l'État de la Nation. Ah, je vois. Je regarde pas trop la télévision. Arrête jamais. Je trouve que la télévision, c'est très éducatif. Dès que quelqu'un l'allume, je fonce à la bibliothèque lire un bouquin. Groucho Marx. Bienvenue au registre des immatriculations. C'est lui. Tu es vraiment prodigieux. Ouais, je sais. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à ce type? Je devais l'abattre ce matin. Ouais. Pigé. Bel homme, riche et célèbre. Il n'y a qu'à vouloir le buter. Il y a encore du beau travail, monsieur Dalton. Quatre agents abattus. Les journaux sur le pied de guerre. Et la police locale qui a le signalement d'une femme qui semblerait experte dans le maniement des armes à feu. Il s'agit sûrement d'un oubli de votre part, car il me semblait vous avoir transmis l'ordre d'éliminer cet agent dans les plus brefs délais. C'est exactement ce que je faisais, j'essayais d'exécuter cet ordre. Eh bien, ça ne se voyait pas. Non seulement j'aurais cru que vous ne suiviez pas cet ordre, mais qu'en plus on lui avait confié une mission dont dépend la survie même de toute notre organisation. Nous avions prévu de l'éliminer une fois qu'il aurait appliqué la sanction à McNamara. Là n'est pas la question, monsieur Dalton. Ce qui me dépasse, c'est qu'on ait seulement pu lui assigner cette opération. Il s'agissait d'un tir de 950 mètres. Voyez-vous, quand elle a abattu Milos Mirovic à Sarajevo, il se trouvait à 1175 mètres. C'est curieux. Je n'ai pas entendu le moindre reproche à l'époque. J'ai choisi le meilleur agent de ce job. Épargnez-moi votre numéro. Nous savons tous deux pourquoi vous l'avez choisi. Retrouvez McNamara. Avant la police, bien sûr. J'aimerais que ça ne sorte pas de la famille. Je vous écoute. Quels sont vos plans? Eh bien, je le fais suivre jusqu'au domicile de son ex-femme à Laguna. Ça devrait lui prendre une heure pour y aller.